argile, scie de bois, tesson de bouteille, moule, un décor d'atelier d'artisan. Nous sommes au sein du laboratoire de géomatériaux et de technologies du bâtiment, un laboratoire spécialisé dans la valorisation des déchets industriels. Des briques à base de scie de bois et d'argile pour le bâtiment. C'est l'agibois, une invention de Souleymane Ouattara, chercheur au laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va peser la quantité d'argile selon donc la proportion du mélange. On pèse ensuite la quantité de scie de bois et on va faire le mélange à sec de ces deux matières. Voilà, on va ajouter de l'eau pour le gâchage. Donc on renverse cette peau, on va malaxer. Une fois le moule rempli, donc on va le fermer et on procède au compactage. Pour tester la résistance de l'argibois, plusieurs études ont été réalisées. Il y a des normes en Côte d'Ivoire sur l'utilisation de ce qu'on appelle le géobéton, c'est-à-dire le bloc de terre stabilisé. Donc la norme dit que lorsqu'on a trempé le bloc donc pendant 4 jours, le bloc doit avoir une résistance de 1,2 mégapascal, c'est-à-dire 12 bars. Donc ces blocs-là, en fonction des différentes teneurs, on a mesuré et on les a déterminés. Alors nous utilisons donc le dispositif que vous avez derrière vous, c'est-à-dire c'est une presse hydraulique, et on le mesure aussi en collaboration avec le LBTP, qui est le laboratoire national donc, spécialisé dans ce domaine. En plus de contribuer à un environnement aisant de pollution et de déchets, cette trouvaille a bien des avantages. Cette maison qui est faite avec ce genre de briques vous permet de vivre dans la fraîcheur. Ça vous permet d'économiser en énergie parce que vous allez climatiser moins votre maison. Parce qu'au cours de la journée, vous avez ces briques qui ont une faible conductivité thermique qui vont vous permettre d'emmagasiner de la fraîcheur à l'intérieur. L'argile et la scie de bois, des matières premières locales que l'on peut trouver aisément. Cette équipe de chercheurs est disposée à transférer sa technologie aux populations. Une autre étude en cours, des carreaux à base de tessons de bouteille pour le revêtement du sol et des façades de maisons. Les tessons de bouteille qui sont obtenus par broyage des bouteilles que nous avons ramassées un peu dans les poubelles. Nous allons obtenir deux séries de bouteilles. Les tessons et la poudre de bouteille également. Ici, nous avons le sable, qui est le sable de lagune. Nous mélangeons l'ensemble à sec. Nous allons ajouter de l'eau. Pendant au moins. Donc, nous allons verser le mélange là dans le moule. Après avoir étalé, nous allons secouer un peu le moule pour que l'air qui est emprisonné dans la matière puisse sortir. Le mélange sera déposé dans un endroit pour être séché pendant 48 heures. C'est après les 48 heures que nous faisons le démoulage. À la suite de ces différentes étapes, nous obtenons le résultat de ce carreau qui est poli. Des briques faites d'argile et de scie de bois. Des carreaux fabriqués à partir des tessons de bouteilles. Autant d'inventions qui pourraient améliorer le quotidien des populations. Pour la production en masse de ces inventions réalisées avec des matières premières locales, ces chercheurs ont besoin d'un appui. Les porteurs de ces projets devraient pouvoir à terme les valoriser. Et c'est dans ce sens-là que l'université a créé au sein du site qui nous a été accordé à Bégerville, l'incubateur des entreprises. Les jeunes chercheurs qui vont venir à nous pour nous présenter des idées ou alors des résultats de recherche, ceux-là vont pouvoir être accompagnés pour que les résultats qu'ils ont obtenus puissent être monnayables. Certains de ces travaux ont déjà obtenu des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. En attendant cet appui qui tarde à venir, les chercheurs sont à la tâche. La majorité est appelée à s'installer à son propre compte, car tous ne pourront pas être embauchés par l'université. La recherche appliquée, une solution donc à l'auto-employabilité.